je trouve que les profs ont été très réactifs. Je suis dans les Pyrénées, mais je suis chez une amie parce que je ne pouvais pas rentrer chez moi. Je trouve que les profs ont été très réactifs avec Zoom. Donc moi, mon emploi du temps, il n'a pas du tout changé. Enfin, ils n'ont rien touché, mis à part les TP. Et encore, ils ont essayé vraiment de faire en sorte qu'on puisse les suivre autrement. Les profs ont été vraiment super. Suivre les cours à distance, je trouve ça un peu plus difficile parce que du coup on travaille seul. Moi personnellement, j'ai pas le même rythme que les personnes qui sont avec moi à la maison, donc c'est un peu plus difficile de se mettre au travail seul. Je passe beaucoup plus de temps sur mon PC. J'ai un temps de concentration beaucoup plus court parce que j'ai d'autres choses plus sympas à faire. Mais par contre, comme on a pas mal de vidéos à travailler à l'avance avant les cours, je pense que je prépare un peu plus mes cours à l'avance. Les réseaux sociaux. Du coup, Facebook. Ensuite, c'est rigolo parce qu'à la base, c'était un moyen pour travailler, faire des réunions. Mais on utilise Zoom aussi parce qu'on s'est rendu compte que sur Zoom, on pouvait être super nombreux. Voilà, et puis les appels. Balader en montagne, les soirées entre les amis et ma famille. Dans la famille dans laquelle je suis, on s'est instauré un rythme de vie. Du coup, par exemple, 18h, le sport, 19h jusqu'à 19h, ensuite à 20h, on crie à la fenêtre, puis on essaie de faire des activités manuelles l'après-midi. Enfin. Et la deuxième chose, dans les tâches ménagères, on a instauré un petit tour de rôle pour que chacun fasse quelque chose et qu'on soit pas débordé. Sport, de la musique et du jardinage. On fera un grand repas partagé dans mon village avec de la musique et des banderoles, une balade en montagne avec mon chien et j'irai voir l'océan.